Putain, je suis dégoûté. Maman est morte. Juste parce qu'elle a été dans le passé qu'elle s'est coupée dans la cuisine. Juste pour une simple petite égratignure. Franchement, je suis dégoûté. Moi, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais retourner dans le passé. Enfin, je sais plus. Bon, je sais plus. Écoute, fiston, calme-toi, il y a une autre idée de récupérer ta mère. Ce que tu vas faire, tu te rappelles que quand dans le passé, t'as été chercher ta mère pour l'emmener à l'hôpital, et ben, en fait, tu vas retourner dans le passé, au même endroit, à la même année pour la chercher, mais cette fois, tu vas pas l'emmener à l'hôpital, tu vas la ramener ici, et voilà. Papa, c'est une bonne idée, je vais y aller dès maintenant. Donc, ce que je vais faire, c'est que demain, je monte dans la limousine. Donc, voilà. Bonjour, monsieur. Que voulez-vous comme café? Je vais prendre du café avec du sucre, s'il vous plaît. Avec 888 doses de sucre, s'il vous plaît. Ah, vous êtes bizarre, monsieur. 888 doses de sucre. Oh, que vous êtes bizarre, mais je vous vais faire ça tout de suite. Voilà, c'est bon, papa. J'ai réglé à la bonne année pour voyager dans le temps. Donc là, on a beaucoup de kilomètres à faire. Donc là, ça va être long. Il y a 8 heures de route. Voilà. Ok, j'ai vraiment hâte qu'on aille la chercher. Nous sommes arrivés, allez, on descend, c'est parti. Bonjour monsieur Julien, vous êtes arrêté pour le crime de madame Sandrine Delamarie. Attendez, nous sommes au 21e siècle. Oh pardon, nous sommes au 19e siècle. Nous sommes dans les années 1800. Et vous me dites que j'ai tué ma mère? Mais c'est injuste, pardon. C'est injuste, je n'ai pas tué ma mère. Je reviens dans le passé pour comment dire, pour revenir chercher ma mère. C'est tout parce que elle s'est coupée dans la cuisine, puis elle est revenue dans les années 1800, dans votre époque de MERD. Bon, écoutez, monsieur, je vous arrête pour le crime de votre mère. Vous allez aller en exécution. D'abord, vous allez en prison, puis demain, on vous exécute. Donc monsieur, au lieu de nous raconter des bêtises, vous allez nous dire ce que vous avez fait hier soir. Bah, hier soir, en 2019, au 21e siècle, bien sûr, pas au 19e siècle, j'ai discuté avec mon père de la mort de ma mère, mais je ne savais pas qu'il y avait un crime. Et je discutais avec lui parce que on l'avait emmené à l'hôpital, c'était devenu une zombie. Et après son opération, elle est morte. Voilà ce que j'ai fait hier soir, j'ai discuté avec mon père pour qu'on aille rechercher ma mère dans les années 1800. Bah, dans les années 1800, j'y suis. Voilà. Bon, écoutez, monsieur, ça suffit avec vos bêtises. Vous allez me suivre, on va vous mettre en prison. Et demain, c'est l'exécution totale. Papa, oh, c'est gentil de me rendre visite. Je suis dégoûté d'être en prison juste parce que je voulais venir chercher ma mère. En plus, ils ont même pas preuve que c'est moi qui l'ai tué. En plus, j'existe même pas normalement dans les années 1800. Oui, je comprends vraiment pas. Bon, on va faire un truc. Demain, je te sors de l'exécution. Oh bah, tu sais quoi? Je vais te faire sortir de prison, je vais te faire fuir. Tu viens avec moi. On rentre en 2019. Et on va reprendre une vie normale. Enfin, j'espère bien. Oui, merci, papa. Merci, merci. Ça, c'est vraiment risqué d'aller dans le passé. Tout cela est vraiment dangereux. Oui, papa. Je suis vraiment content que tu m'aies libéré. Et c'est vraiment dangereux de voyager dans le temps. Allez, rentrons à la maison.